les plus beaux trésors à vue de tous et ces perles qui brillent autour de nous. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit? Suffit de regarder avec son cœur et sentir son pouls. Ses trésors sont partout. Car il n'y a pas d'écart entre lui, elle, vous et nous. Il n'y avait que des secrets et des non-dits, mais heureusement aujourd'hui, c'est dit. Alors dis-le-moi, dis-le-lui. Que la vie est maintenant dévoilée, nos différences valorisées. Il est ton ami, son frère, leur fille, d'une famille proche ou éloignée. Mais c'est toujours quelqu'un qui aime et qui est aimé. Mais qu'on se le dise, les enjeux sont réels et d'ici. C'est bien de faire ce que l'on dit, mais tellement plus beau de faire ce que l'on doit. Le droit à la dignité proprement dit et senti. Ça en dit long sur la nature humaine, l'envie de s'entraider, de se donner la peine. Pour comprendre d'où elle vient et ce qu'il vit, de se mobiliser pour faire remonter à la surface des enjeux de société souvent oubliés. Mais ils ont leur place, ils et elles aussi. La dignité, c'est la simplicité pour toi du point B au point A, mais pour lui, le besoin d'un meilleur transport adapté. La dignité, c'est la facilité pour moi d'étudier sans voyager, et donc pour lui, de marcher à son école de quartier, avec des services accessibles, gratuits et de qualité. La dignité, c'est aider les aidants qui ont le cœur jeune, mais se font vieillissant. Porter main forte à ceux et celles qui ont été le fort et forteresse des trésors plus tôt mentionnés. C'est important. La dignité, ça s'explique. Ça se voit, ça s'écrit et s'entend aussi. Dans les yeux heureux d'un service réussi et au son des merci de tous ceux et celles pour qui ça change une vie. Répétez après moi. La dignité maintenant se dit. Dignité.